si on ne passeront pas la nuit. Oh ma belle Vanessa, oh ma belle Vanessa. Oh, je ne sais plus comment faire. C'est un peu ici que j'ai grandi, quoi. C'est mes racines, ça fait toujours. Ça fait quelque chose à chaque fois que je reviens ici, tu vois. Je me rappelle se poser comme as, tu vois. C'est des souvenirs de ouf en vrai. Je te montre un peu plus l'envers du décor. Bah, c'est chez moi quoi, c'est le quartier, ici tout le monde me connaît, on se dit bonjour, on se dit toutes sortes de choses. Bon tu vois, c'est le cirque d'hiver, c'est un peu là où j'ai commencé, moi j'étais dans le cirque à la base, j'étais trapéziste en fait. Et un jour, il y a un mec qui est venu voir le spectacle au cirque et il me dit « Ouais, mais toi, t'as grave un potentiel pour être un artiste et tout, tu vois. » Moi, je suis surpris. Il me dit « Ouais, tu veux pas essayer de poser un couplet et tout ? J'écris mon album. » Là, j'écris mon premier couplet de ma vie, en fait, le soir même, tu vois. Le son, c'est Style Dre, en fait. Bon, faut que je te montre plusieurs trucs. Un banc qui est hyper important pour moi. On a tourné un Monde de fou, qui est un morceau qu'on a fait avec le High Five Crew. En fait, ce morceau nous a dépassé, tu vois. Au début, on s'est dit on va faire un petit truc tranquille sur un banc, tu vois, et bah c'était le buzz total. Je sais pas, il y a combien de vues aujourd'hui dessus, mais on compte même plus, quoi. Moi, je prête pas trop attention aux chiffres. La musique, ça nous dépasse, en fait, ça passe au-dessus, c'est au-delà. Donc, tu vois, ça, c'est le banc de Monde de fou. Bon, après, il y a des gens. Mais généralement, moi, quand je passe, les gens, ils me reconnaissent et du coup, ils nous laissent la place, tu vas voir. Bon. Ils m'ont peut-être pas reconnu, je te jure, normalement je passe, ça me serre la main, ça fait vraiment faire, les gars. Je suis pas quelqu'un qui va prendre la grosse tête, tu vois. C'est dans ces trucs, on a tourné Sad House sur la séquence à vélo, là. Sad House, ça a vraiment marqué un tournant dans ma carrière. Je fais du son, tu vois, pour déconner, tu vois. Là, le clip de Sad House, il sort. Moi, tu vois, je faisais autre chose, je sais pas, je devais taper un foot ou... Si je reviens, je vois, j'ai 5-6 messages. Je me dis, wow, il se passe un truc de ouf, là, en fait. Je vois Sad House, quoi, il y a combien? Genre 5000 vues, je fais wow. En 3 jours. Il y avait un point de non-retour, la musique, elle m'avait choisi, tu vois. Après, tu vois plus la vie pareil, tu vois. Tu te dis, ah ouais, en fait, c'est ça la vie. Tu vois, t'as croqué aux fruits défendus, en fait. Là-bas, tu vois, il y a un endroit, ça s'appelle le parallélépipède. C'est pas un parallélépipède, d'ailleurs, c'est juste une rue, mais on l'appelle comme ça, je sais pas pourquoi. Ça, c'est le parallélépipède, aussi appelé l'hexagone. Tu vois, avant, on venait là, on se posait là, on se posait vite fait, tu vois, on était debout parce qu'il n'y a pas de banc. Juste on se mettait là, on se mettait en face aussi parfois. Ça c'est le collège du quartier, on venait, on se posait devant, tu vois. C'est des souvenirs de fou, tu vois. Moi j'ai pas été dans ce collège, tu vois, j'étais dans un collège privé, ça m'a marqué quand même, de ouf. Parce que c'est le quartier, quoi. T'as capté? Après c'est un peu mon collège, parce qu'une fois, moi je vais voter là-bas. J'ai voté une fois. Là on va aller dans le Bataclan. Voilà, j'espère qu'un jour ce sera mon nom. Je suis de la salle, quoi. Je fais tout pour. Moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir mettre Paris sur la carte, quoi. C'est vraiment une des villes majeures en termes de rap. Après, je prends pas tout le crédit, tu vois. Je sais qu'on est beaucoup. Mais bon, je pense que je suis pas pour rien, c'est clair. Un jour, voilà, ce sera moi, hein, je sais. Pas aujourd'hui, pas demain, pas hier non plus, mais mon heure, elle va arriver, c'est sûr. Il y a ma salle de sport plus loin, là-bas. Avant, je fumais, j'allais au tabac, j'allais ici, tu vois. Maintenant, je fume plus. Je fais du sport, je suis allé de l'autre côté, en fait. J'ai pris le bon côté de la rue, en prenant le bon côté de la vie. Là, c'est la boulangerie, tu vois. Brian Surprise. Il fait que des pains surprenants, en fait. Tu penses que c'est un pain au chocolat? En fait, c'est de la merde dedans. Et le kebab, là. Ça fait longtemps que je suis pas venu, tu vois, donc... Je sais pas, il regarde bizarre. Moi, je baisse les yeux en balle, tu vois. M'en regarde pas, frérot, m'en regarde pas. Mais c'est oppressant, tu vois. La célébrité, elle vient aussi vite et... Tu vois, tu peux plus marcher tranquillement dans la rue. Bon, là, tu vois, on va aller au Carrefour. Je crois qu'ils veulent pas trop qu'on filme, t'as vu, parce que... C'est un standing, quand même. Du coup, on va filmer en caméra cachée, je pense. Bon, alors ça, c'est le Carrefour. Faut pas oublier les règles sanitaires. C'est important, ça, pour pas tomber malade. Moi, j'ai pris un petit caramel macchiato, tu veux un truc, toi? On va faire un petit tour, je vais vous montrer quand même. Là, t'as tout ce qui est salade, là. Ça, c'est mon rayon de prédilection. Escalope, herta, soja, blé. C'est juste la base. Là, t'as toutes les binouzes, classiques. Tu en scrap, tu en scrap. C'est bon, je pense qu'ils n'ont pas cramé. C'est pour moi, hein, dringuette. Ça me fait plaisir.
Hop là, aussi simple que ça. Après là, tu vois, on va aller chez ma meuf. Si tu veux tout savoir, en fait, on s'est un peu embrouillé. Elle va voir que je suis avec une équipe, avec des caméras. Peut-être que je vais remonter dans son estime et qu'elle va me reprendre, tu vois. Moi, j'ai du mal à supporter la solitude et du coup, j'ai pas envie de rester célibataire, en fait. C'est que sinon, le soir, je me sens vraiment triste et je me sens vraiment seul. Donc on va la récupérer, je pense, c'est mieux. T'as une carte de presse ou quoi? Ouais, t'as une carte de presse. Si tu peux lui montrer ta carte de presse, comme ça, elle va se dire stylée, quoi. On va arriver chez ma meuf. Enfin, mon ex, mais je vais récupérer. On va prendre l'ascenseur. L'ascenseur, bon, il est un peu petit en bas, mais en vrai, ça va. Juste, tu te mets comme as. C'est nickel, il n'y a pas de problème. Je vais voir si elle est là. Chérie. Je crois que c'est... C'est chaud. Il y a son chat qui parle. Hé, moi, ça t'ouvre la porte. Je prends toujours des petites friandises avec moi si j'arrive dans cette situation-là comme ça et que j'ai besoin que Mourazette m'ouvre la porte. T'inquiète pas, tu vas voir. T'entends ça? Mourazette. Oh, t'es là. Oh, frérot, elle est là. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis avec Zobini, là, on fait une interview et... Je voulais essayer de qu'on se remette ensemble, quoi. Je te jure, je suis connu maintenant. Hein. Je suis vraiment... Je gagne de l'argent et tout. Ouais, c'est bon. Non, mais... Et reviens pas, hein, c'est bon. Non, mais Noisette, elle est dehors. Y'a Noisette. Non. Vas-y, c'est bon. Arrête de fibrer. Arrête de fibrer. Tu vois un peu le regard des gens ou pas autour de moi? Il y a un avant et un après Spider-Z ici, tu vois.